Après l'orage, il y a le soleil. Fils d'agriculteur, journaliste et réalisateur français de 37 ans, notre invité vient de réaliser son premier film intitulé « Au nom de la terre » qui met en scène Guillaume Canet dans le rôle principal. Il n'y a plus de trésorerie là, on est à sec. Monsieur Jargeau, les avances de trésorerie, ça commence à faire beaucoup, surtout cumulé avec l'ensemble des prêts. C'est quoi ces conneries? Tu vas te remettre un crédit sur le dos? Un long métrage qui traduit la terrible situation des agriculteurs en France, où en moyenne, un paysan se suicide chaque jour. Notre invité est Édouard Bergeon. Découvrez dans notre entretien audio pourquoi ce thème est si cher à notre invité et comment nous en sommes arrivés là. Il n'y a pas de pays sans paysans, mais il n'y a pas de paysans sans revenus. La campagne, la terre, les champs, les routes de campagne où je fais du vélo. Je sais pas, du fromage. Ma mère, ma sœur, toujours une femme qu'on admire devant soi, puis un amour perdu. Était une fois dans l'Ouest, était une fois l'Amérique, Sergio Leone. Crois en toi. Après l'orage, il y a le soleil. D'y croire et de travailler pour y arriver. Rhône FM.